3, 2, 1, go! On est des champions. On n'est pas prêt pour le championnat. Maintenant parce qu'elle risque pas d'être propre longtemps. C'est là les neuves, ça va être rodage et ensuite roulage. Entre temps, hop, vidange. Crotage. Hein? Entre temps, décrotage. C'est tellement ça, entre temps, décrotage. Ouais, c'est beau quand c'est neuf, mais là ça. Bon, ça a l'air de se lever, mais ça a l'air bien gras quand même. Donc on est à Ernée, hein, comme d'hab, New Bike Park. Ça va être tranquille pour faire le rodage et puis après le roulage. Toi, t'es en rodage aussi, quoi. Rodage du bonhomme. Ouais. On va voir si la mécanique sur le bonhomme tient. Ouais, donc ça va être soft, tranquille pour cette première partie. On va la démarrer quand même. Donc le rodage. Général, vous roulez comme ça, tout doux, on met pas de gros coups de gaz, on vient pas au rupteur, on laisse le moteur tourner tranquillement, on met pas les poignées à plus qu'un quart de gaz. Alors c'est vraiment compliqué avec celui-là parce que dis donc, il demande à gueuler, hein. Puis on roule comme ça une petite heure. Moi je pense que je vais faire une petite heure, voilà, déjà ça va être suffisamment long comme ça. De toute façon c'est un moteur qui sera suivi, qui sera entretenu. Tu fais le nécessaire sur ta moto, l'entretien régulièrement, t'auras pas de couilles. Oh, ça va être tellement long, mon gars. Long, ennuyant, tout ce que vous voulez, les gars. Le rodage, faut y passer, malheureusement. On n'hésite pas à passer les vitesses aussi quand on fait son rodage. Ça permet vraiment que toute la limaille des pignons travaille, toute la friction se fasse. Et qu'ensuite, lorsque tu enlèves ton filtre à huile, plus ta vidange, bah que tout se fasse, tout se soit évacué. C'est long! J'ai tellement envie de mettre du gaz. Non, respecte la mécanique, bordel! Oh la vache! Ma moto! Elle va tout salir, le fumier! Merci à Nico, chez New Bike Park, voilà, qui m'a permis d'avoir toutes mes pièces à temps. M'a permis voilà, de pouvoir rouler aujourd'hui, faire mon petit rodage et tout, c'est cool, merci à lui vraiment. Vous aurez un lien dans la description si vous cherchez des pièces ou autre, bah, vous n'hésitez pas vraiment. C'est ici qu'il faut venir, en plus de ça, tu achètes ta moto par exemple, tu sais que tu peux rouler le jour même sur le terrain, donc ça c'est cool. Oh non, elle est toute dégueulasse, putain, la moto, moto neuve, ça c'est une moto d'exposition normalement, putain. C'est sale. Un peu. Putain que c'est sale.
Ouais, bah, je t'ai dit, deux tours, t'as chaud. Hein. Bon, du coup, rodage fait, vidange, soupape, filtre 1000, et là, on est reparti. On va pouvoir rouler à froid. Je suis en t-shirt, moi, dessous. Ah ouais? Y'a rien dessous. Ah ouais, t'es chaud, toi. T-shirt, le gilet, le maillot. Ah, j'ai le t-shirt, le gilet, mais je garde quand même la doudoune, quoi. La petite doudoune. Je vais pas tarder, hein, j'ai froid. Ouais, bah allez, on y va. Bon, c'est vraiment du roulage détente, hein. Aujourd'hui, prise en main du Dayto, quand même. D'habitude, je roule avec des petits moulins. Un petit peu. Debout avant la fin de la journée. Sérieux? Ah ouais. Regarde. Il bouge trop. Ah, c'était sûr ça. Je pensais pas qu'il allait tenir aussi longtemps. Ça va? Je me dis, vas-y, je me mets là, je vais les regarder passer. Il fait une vieille glisse, mon gars. Là, elle brûle de plus en plus, ton parasol. Voilà, tu m'étonnes, mon gars. Ah bah ouais. Tu vas y arriver. C'est dur de ouf, ouais. Je pensais que j'étais en deuxième, j'étais en troisième dans le virage. J'ai vu qu'il y allait. Oh bah j'ai fait bah, comme une merde. Non non non, bah levier retournable qui fait le taf. Hein. Par contre la poignée elle était enfoncée jusque là mec. Ça l'a cassé. Non non non, j'ai rien de cassé. C'est dur de garder la moto droite. Hein. Putain la vache. Ouais. Voilà dans les Dragon Bash, c'est parti. Oh mais ouais, ouais, c'est serpentard le bordel. Mec, dans cette session, j'ai passé mon temps à essuyer les caméras. C'est la session de l'extrême. J'ai failli me la mettre. Ah oui. T'as vu ou quoi? Non, bah non. Oh là là. Comment je viens de stresser de ouf là, je me voyais par terre. À quel endroit? Là en fait j'ai voulu prendre l'ornière mais j'ai pas réussi. Ah comme moi. L'avant il a... J'ai fait pareil. Ah ouais, bah j'ai fait, bah tiens il est garé, je vais aller le voir. Ouais, en fait c'est exactement la même chose que j'ai... C'est propre? À peu près hein. Il y a une petite goutte de terre. Ouais. Ça commence à être dur à tenir dans les vagues. L'avant bras il... C'est propre là? Ouais je pense.
Ouais, bah, je vais la voir avec mes propres lunettes. Ouais, bah moi aussi c'est pareil. Depuis tout à l'heure j'ai des giclées de terre et tout. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur là. En fait, là, l'avant-bras il prend. En tout cas, c'est un bon roulage quand même. Voilà, ouais. Ouais, merci New Bike Park, Nico. Merci New Bike Park, préparation de la fourche qui était au top là. Franchement, on était dans les mêmes conditions que la première fois que je suis venu. Et là, c'est nickel, je suis plus à l'aise debout, elle plonge moins de l'avant. Elle restera l'arrière à faire. Mais déjà, je commence à prendre mes marques avec cette moto, je suis mieux. J'arrive à vous suivre plus ou moins, tu vois. Ah, t'es à l'aise, toi, je vois, c'est à l'aise. Ouais, y'a que les sauts où j'ose pas parce que... Bah, aujourd'hui, c'est un peu dur. Déjà, quand j'ai vu l'état de ta moto, que t'as fait le travers, j'ai pas envie de l'abîmer. Déjà, bah, la petite chute de merde là, là, j'ai failli me la mettre. Je crois qu'on va rouler juste pour le kiff. Allez, c'est parti, la dernière. Allez, courage. Moi, j'ai vu la vidéo, alors t'as intérêt à me faire. Putain, je passe mon temps à essuyer les GoPros, quoi. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, c'est clair. C'est dur. C'est bien là. Comment? C'est bien là. Je me lève. Vous voyez la fourche comment elle travaille. Ouais. Même l'arrière ça fait plus comme ça quoi. Ouais, t'as vu. Je peux rester debout. Je peux rester debout mais j'ai plus trop. Ça me fait plus faire ça quoi. Là je peux rester plus ou moins et. Vous voyez dans les vagues, la moto elle travaillait mais. Ah ouais. Pareil des deux côtés. D'habitude ça me fatigue beaucoup plus les vagues, là je les enroule, je les sens moins, bah ça fatigue mais moins. Fin de journée, place au nettoyage, voilà, on désosse tout, on nettoie tout. Pour éviter de se prendre la tête, on démonte même les plastiques sur place. Bien évidemment on pense protéger les filtres à air, donc Thomas met un chiffon à l'intérieur. Moi je suis à l'ancienne, je mets mon petit plastique. Resserré avec un collier juste ici, tu vois, pour éviter que l'eau, on a quand même de l'humidité, mais l'eau ne traversera pas. On bouche les pots et on évite de trop insister sur les joints. On finira les joints moteurs, on finira la mano et après on pense à regraisser, hein, bien évidemment. D'où l'importance de démonter, vous voyez comment c'est dégueulasse en dessous. Vache. Ah, surtout après une journée boue comme ça. Ouais, j'avoue. Là, si tu démontes pas tout, il t'en restera. Bon, sinon, t'as pensé quoi de ton premier roulage depuis. Depuis combien de temps que tu n'avais pas roulé? Ça faisait 4 mois, depuis l'YCF Tour. 4 mois. Putain, moi, ça faisait un peu moins longtemps. Tu avais refait 2 sessions. Ouais. Je crois qu'on avait été à Ernée. On a été à Ernée, on avait fait YCF aussi. Début octobre ou début novembre? Début novembre. Ouais. Dans la vidéo, je vous ai pas mis trop d'images de roulage parce que, parce que ça n'a pas roulé fort. Hein. C'était du rodage, c'était de la reprise. Mais encore une fois, merci à Nico de chez New Bike Park. N'hésitez pas, s'il vous faut des pièces, des motos, il va recevoir tous les modèles 2022 de chez YCF. Donc mécanique, moto, et vous avez les circuits bien évidemment qui sont ouverts tous les week-ends. Je vous mets toutes les infos dans la description, vous allez checker, vous avez toutes les infos Facebook ou alors sur son site directement, n'hésitez pas à le contacter, voilà, ça fait toujours plaisir. Merci à lui pour la journée, c'est grâce à lui que j'ai pu faire mon rodage et rouler encore un petit peu plus dans la journée. Donc merci à toi Nico, et puis nous on va continuer gentiment notre nettoyage. Oh putain, on voit un peu. Ah ouais, on voit mieux là. Ah. Attends, je reviens, j'ai d'autres chiffons. Bah ça va, ça fait une trace vite fait. Ah.
Ah là mon gars, comme un sous-neuf.